on verra tout à tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se reprendra ce, on s'est arrêté la dernière fois, enfin quasiment. Étant donné que j'ai repris ma sauvegarde que je fais en parallèle de la campagne. Hein. Et j'ai cherché un peu pourquoi je ne pouvais pas donner le titre à mon ancien compte. Parce qu'il était vassal d'un duc. Et comme il était vassal d'un duc, il ne pouvait hériter des duchés. Je ne pouvais donc pas lui donner les duchés, donc je ne pouvais pas lui donner les titres nécessaires pour, entre guillemets, assurer la pérennité de mon règne. Donc voilà, j'ai préféré prendre une de mes sauvegardes pour ceci. Et donc on reprend là, donc il y a quelques petits changements. Le grand changement, c'est que j'ai une revendication sur Berry. J'étais, comment expliquer ça, dans ma partie là, j'étais marié au duc de Berry, mais le duc de Berry a été assassiné, tué, j'ai plus une petite, donc je peux revendiquer Berry. Voilà. Donc c'est assez compliqué cette histoire. Bon, n'empêche que je sais même plus où on était, parce que je constate que j'ai plus du tout dormi là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Bon, ce n'est pas grave. Donc se convertir à culture, ce sera ça, il peut aller voir ailleurs où je suis. Donc voilà, bon. C'est un peu de la triche, je l'avoue, ça peut être considéré comme de la triche. Mais je profite du fait que je joue deux parties en même temps. Pour profiter un peu de mon avantage. Hein. Bon. 10 000 hommes. Ouais, c'est que mes troupes sont à moitié mortes, c'est pour ça. Mais bon. Alors, pour l'instant, la série, je suis en train de regarder en même temps comment ça se passe. Hein. Je suis en train d'uploader les deux dernières vidéos. Hein. C'est-à-dire épisode 5 et épisode 6 en ce moment même. Et donc, je constate que vous appréciez plutôt bien les vidéos. Hein. Il y a beaucoup de j'aime. Bon. J'aurais aimé avoir quelques commentaires sur vos avis, mais bon. Ça fait quand même chaud au cœur de voir que cette série vous intéresse vraiment. Donc vraiment merci à tous de me suivre. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Donc, cette fois-ci, on va parler un peu de... Donc mon époux est mort, d'accord. Même avec... Maître espion. Non. Bon, on va peut-être éviter les mariages. Hein. Je sais. Non, j'ai fait quelques erreurs. Hein, excusez-moi. Temps de s'en mettre un peu dans le jeu. Bon, ça sert à rien. Donc, la série a plutôt bien arrivé. Donc, je vous remercie. Hein. Et en parallèle de ça, je vous rappelle que je transfère ma chaîne vers Dailymotion, pour ceux qui ont fait un peu attention. Et le transfert sera fini bientôt. Je pense d'ici 2 mois que le transfert sera intégral. Donc en 2014, ma chaîne YouTube sera en quelque sorte morte, hein, faut dire ce qui est. Mais bon, chaque chose en son temps, bien évidemment, on n'est pas encore à ce point-là. Et on va parler d'un petit point en fait que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les femmes au pouvoir, qu'elles soient actuelles ou à l'époque, je trouve, là je vais dire actuellement, que c'est normal, j'ai envie de dire, que l'égalité homme-femme soit respectée. Qu'il y ait des femmes au pouvoir, moi ça ne me choque pas. Et dans le jeu, il faut comprendre qu'à l'époque là, on retourne à l'époque, c'est que une souveraine femme n'existait pas ou c'était très rare. Parce que le plus souvent, les règles de succession, en tout cas dans les royaumes, hein, c'était des règles alactico primogéniture. Donc c'était l'aîné uniquement homme qui pouvait hériter. S'il n'y avait pas d'homme pour hériter, à l'inverse d'Angleterre, où même les femmes pouvaient hériter, après la reine d'Angleterre. Dans les secondes, mort. Tuer.
Et je trouve finalement que ça me choque un peu, faut dire, je vais pas le nier, hein. Je suis quelqu'un qui trouve que c'est tout à fait normal que les femmes aient la même revendication que les hommes. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me choque. Oula. Je suis donc d'accord. Donc je trouve que c'est même complètement normal que on... C'est où on joue? Ah mais c'est là. Vous voyez, je suis complètement perdu. Donc c'est tout à fait normal que je trouve que on... Que les femmes au pouvoir, personnellement, c'est pas quelque chose moi qui me choque. Donc ça. Et à l'époque, faut savoir qu'une reine était parfois plus influente que le mari. Ce qui est, hein, on peut regarder par exemple l'époque de la Saint-Barthélemy. C'était la reine-mère, donc la mère des rois qui commandait, hein. Et on a vu massacre que ça a donné. Donc voilà. Il va se deviner ce qui a pu arriver autrement. Donc pour moi, avoir une femme dans ce jeu-là, ça me gêne pas du tout, hein. Même si j'ai un malus de 10, personnellement, moi, ce qui compte, c'est... Comme je dis souvent, ce n'est pas le sexe qui est important, c'est les compétences de la personne. Si la personne est compétente, c'est normal qu'elle ait le poste. Or qu'aujourd'hui, et là, malheureusement, c'est une triste réalité, c'est que des femmes se voient refuser certains postes parce qu'elles sont des femmes. Pourtant, elles sont très compétentes. Et pour moi, je trouve ça intolérable. Ce qui est, c'est pas normal. Je vous rappelle que le droit des femmes n'est pas si vieux. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je trouve tout à fait normal que les femmes aient le droit de vote. Maintenant, c'est aussi d'autres problèmes. Que ce soit droit de vote ou que ce soit les fonctions importantes. Maintenant, on a aussi d'autres problèmes, c'est que la mentalité des gens, c'est un peu resté celle de l'Église catholique, et même des autres religions, c'est que c'est tous les... c'est tout ce qui est père, donc c'est tous les hommes qui ont autorité. Je trouve ça complètement... je suis désolé de le dire, abruti, réducteur, et qui prouve que l'on n'est pas civilisé, faut dire ce qui est, parce que je suis désolé, se réduire à une telle absurdité, faut quand même en vouloir, hein. Je sais pas, par exemple, on refuse à une personne d'être chef d'entreprise parce que c'est une femme, moi je le vois quand même étrangement quand même. Je suis un homme, je le nie pas, mais je trouve quand même tout à fait anormal qu'une personne se voit refuser des... comment on appelle? Se voit refuser des propositions de travail parce que son sexe en empêche. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on est un sexe entre guillemets inférieur, et encore inférieur, je me demande, c'est pas un peu de foutage de gueule, mais bon. Voilà. J'ai évité de m'avancer là-dessus, hein. Du chinois, du jus de champagne, du jus de famille. D'accord. Donc voilà. Je suis quelqu'un qui suit quand même pour l'égalité, hein. Je ne nie pas. Je suis même content, je vais même pas me mentir, je suis quelqu'un même vraiment qui est pour, hein. Parce que... Parce que comment je peux justifier ça? Pour moi, c'est quelque chose en fait de naturel. Je vois pas en quoi, pourquoi on est une femme, on n'a pas le droit d'avoir les mêmes avantages que les hommes. Bon, c'est quelque chose pour moi qui est basique. Donc je peux pas développer plus que ça. J'espère que vous compreniez dans mon raisonnement quand même. Voilà, c'est quelque chose de compliqué à expliquer, mais j'espère que vous compreniez ce que je veux dire par là, hein. Donc je pourrais construire la tour niveau 2. Donc voilà. J'espère que cette mentalité évoluera. Par exemple, on a pu constater aux États-Unis déjà un président noir. Je pose ceci en France, je sais pas déjà quand on aura une présidente femme. Mais bon. Le problème, c'est que dans cette histoire-là, président noir ou président femme,
C'est que ça va pas du fait que nous on est un peu bloqué dans les mœurs. On sait parce que c'est une femme ou que c'est un noir qui doit, qui peut arriver de président. C'est déjà, je trouve déjà ça étrange. Attendez, Rekhaïn Pache. Qu'il repose en paix, je suis tout à fait d'accord. Donc une femme qui a autant de pouvoir qu'un homme, moi ça me gêne absolument pas. Bon, je me suis déjà fait critiquer parce que je défendais de telles idées. Je nie pas, je me suis déjà fait critiquer pour ça. Hein. On croit que je suis impuissant, comme certains diraient, que je me laisse mener par la baguette. Je suis désolé, ça c'est voilà, c'est exactement pareil, ça c'est encore émotif, je suis désolé. Si on veut prouver le progrès, faut être réaliste aussi d'un côté. On est tous. Et là je suis désolé, c'est une triste réalité. C'est qu'on est tous égaux. C'est pas parce qu'on est une femme, un homme que qu'on est différent, non. On est tous égaux, on n'a peut-être pas les mêmes avantages physiques, faut. Ça on peut pas nier, hein. Et encore, il y a certaines femmes qui sont plus costauds que certains hommes. Je suis désolé, c'est pas ça qui est important, c'est ce que c'est un principe de liberté. C'est comme par exemple, il y a une loi sur la parité qui existe en France. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez suivi l'actualité qui est passée quand même il y a un moment, cette loi. C'est qu'il doit y avoir autant d'hommes et de femmes dans les institutions publiques. Cette loi est géniale. Par contre, j'ai un gros défaut avec cette loi, là je vais pas le nier. C'est que si vraiment cette loi devrait pas exister, je vous le dis net, parce que ce n'est pas ce que c'est pas un problème là de d'égalité. Je comprends qu'on veut aider à que les femmes arrivent dans les administrations, c'est un problème de mentalité. Les hommes ne veulent pas accepter d'avoir des femmes, donc on est obligé de passer comme une loi pour qu'on puisse accepter, pour qu'il y ait des femmes. Et je trouve ça vraiment débile. Parce que techniquement, c'est mentalité qui aurait dû changer. Et on est obligé quand même de poser des lois Putain, y a tout le monde qui meurt. Voilà. On est obligé de mettre des lois pour que les gens changent leur mœurs. Et je trouve ça pas ça normal parce que normalement c'est quelque chose qui doit être naturel. Alors certains me diront ah là mais c'est pas normal tout ça, je suis désolé. Donc, voilà, c'est... Bon, j'ai fait un peu mon petit coup de gueule, je m'en excuse, hein, je sais que vous n'aimez pas trop quand je dis ça, mais je trouve que c'est quelque chose de normal, surtout actuellement. Que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent sur la table, et je pense que c'est important quand même d'en parler. Hein. On peut pas nier quand même que les femmes sont... On peut pas nier le fait que les femmes sont un peu exploitées, faut dire ce qui est. Dire... Et ça c'est quand même fort. Qu'une femme est plus absente au boulot qu'un homme, je suis désolé, c'est pas parce que on met au monde un enfant qu'on est forcément plus absent. Par contre, je ne nie pas aussi que le lien affectif des mères est peut-être plus fort qu'un lien affectif paternel. Ça je peux pas le nier. Hein. Vous mettez au monde les enfants, tout ça. Je ne nie pas ça. Et personnellement, je comprends, hein. Je suis désolé. Moi je comprends parfaitement ça. Donc voilà.
Je sais ce que je dis, c'est pas très réjouissant quand même. Hein. Mais bon. On est là quand même pour faire des vidéos, pour passer un bon moment ensemble. Hein. Mais je suis aussi là aussi quand même pour vous... comment dire En fait, je sais pas pourquoi je peux attaquer à Charon. En fait. Pourquoi? Bon bah. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose. Et j'en profite en fait justement pour amener ça parce que j'ai une suzeraine qui est du sexe féminin justement et je trouve que c'est normal qu'on en parle. Parce que c'est sympa de faire une série. Je peux pas faire autant de commentaires historiques que je fais sur d'autres jeux par exemple. Mais aussi important que mes vidéos éduquent un peu aussi. Et surtout dans cette idée-là, je défends les femmes, je vais pas nier. Hein. Je considère même que si on techniquement elles sont capables de se défendre d'eux-mêmes, mais je suis pour l'égalité des sexes. Ça j'ai déjà dit plusieurs fois. Je suis vraiment pour que les deux parties soient à égalité en droit, en chance, que ça soit pas un, entre guillemets, un abus de pouvoir. Hein. Faut dire ce qui est. Et pour ça. C'est triste de le dire, mais pour que ceci soit respecté, on est quand même obligé d'en parler. Beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas en parler, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Voilà, Orléans, c'est ça, Valois... Donc Berry c'est à moi, donc je contrôle ça, je contrôle... Alors. La Bourgogne, Berry, Orléans, Champagne, Valois, Anjou, Normandie, il faut encore. Excusez-moi, deux secondes. Oui, je suis en même temps en train de travailler mon ordi portable qui tourne pour sans regarder quand ça se passe sur le cloud. Hein. On joue avec. Donc voilà. Bien évidemment, qui dit égalité dit aussi changement de mœurs. Je dirais, je pense encore beaucoup ça, mais pour que l'égalité soit vraiment respectée, il faut que tout le monde mette un peu du sien. C'est comme un mariage pour tous, je suis désolé. C'est... Les gens font ce qu'ils veulent. Ça, il faut pas nier. Tant que ça n'eut pas la liberté d'autrui. Voilà. La liberté, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Je suis désolé, c'est une réalité ça. Ça, je trouve que c'est normal d'aider les peurs. Ennemi de mon ennemi et mon ami, ça c'est pas mal par contre. Bon, en tout cas, j'espère que c'est intéressant ce que je dis, j'espère que ça vous prendrez quand même conscience de ça. Parce que pour évoluer, faut changer le passé. Et le problème c'est que pour l'instant, d'ailleurs je vais faire un truc là, profite. Hop. Vous pouvez pas le faire parce que c'est trop éloigné, mais finalement voilà ça. Au moins c'est fait. Donc voilà. C'est vraiment pas un reproche que je fais là, mais je... Comme je l'ai dit, cette série va me permettre un peu de parler de choses concrètes, de choses un peu plus actuelles. Et parler de choses actuelles, ça veut aussi dire parler de choses parfois à contre-cœur. Putain, je me suis fait battre.
Non, ça me surprend en fait. J'ai eu le coup de pas de bol en fait. Comme mon armée n'était pas encore organisée pour attaquer. Non, vraiment, c'est... Bah, c'est... J'espère en tout cas que ça... que vous prendrez pas ça mal, hein. Je vous en parle comme ça, c'est vraiment pas un reproche que je fais. Faut vraiment qu'on en parle, c'est pour ça que j'amène à cette discussion. Donc voilà. Bon. Maintenant vous savez que je défends les femmes, hein. J'ai pas gagné, hein. Je trouve c'est tout à fait normal. C'est même pas que je les défends, c'est que... C'est l'égalité pour tous, je suis désolé. On est tous dans une même nation, et il est normal que nous avons tous les mêmes droits. C'est tout à fait normal. Il fait disparaître. Ouh la pisse, c'est sacré en puissance. Donc une nouvelle croix pour Jérusalem, comme d'hab. Tour et même guerre. Tu peux rajouter que... Personne ne veut m'aider, donc ça sert à rien que je fasse des complots. Peut-être qu'une fois que je... Ouh là. Ah d'accord. Oh d'accord, feu ton bordel. En guerre contre Jérusalem, notre état, bon bah très bien. Ah mais ceci va peut-être pour amener un point. Heure revendication de la couronne de France, que dans s'il n'y a plus d'armée, je peux techniquement lui déclarer la guerre derrière. Enfin, plus ou moins derrière lui. Hein. D'ailleurs on peut constater que la cérémonie de Pise est en train de prendre une sacrée importance quand même. Bon, le prestige n'est pas le plus important. Donc Toulouse, on y a dessus. Amiens, maintenant. Oui, j'essaie de récupérer, comme vous avez déjà rendu compte, comme je vous ai déjà expliqué, je récupère tous les duchés possibles. Bon, je vais faire une toute petite pause. Je sais pas depuis quand j'ai commencé à filmer, donc je reviens tout de suite, excusez-moi. Donc me revoilà, bon, on a encore à peu près 6 minutes à passer ensemble, donc voilà. Donc ainsi, je pense avoir amené, bon, j'espère pas que ça va faire comme un débat, quand même, comme pas possible sur ma chaîne YouTube. Non, loin de là. Mais j'espère au moins que vous réfléchirez un peu à ce que j'ai parlé là avec les femmes, hein. Et que ça évoluera surtout, parce que personnellement, j'en ai un peu marre de constater que c'est abus. Je vois pas comment je peux dire autrement, c'est un abus, je suis désolé. Eh mince. Bon, ma guerre n'est plus... ne marche plus. Bah, on gagne des points en plus de technologie. Donc voilà, c'est... Hop. Voilà, on investit un peu. On va positionner le temple. Donjon amélioré, ça c'est fait. Voilà, muraille. Et là, nous allons pouvoir améliorer un peu tout. Hein. Les meilleurs revenus fiscaux, plus de troupes. Les meilleures fortifications, bien évidemment, ça suit avec. Ah tiens, indépendance du duché de Dauphine. C'est quoi ce duché? Duché de Dauphiné. Ici. Ah bien, un nouveau duché, bah, très bien. Très bien, encore une guerre. Très bien, nous sommes encore en guerre. Bon. Alors, le petit problème, c'est qu'à Paris, je ne soulève pas encore énormément de troupes.
Et j'ai ma petite idée pourquoi en fait j'en save pas autant que je veux. Étant donné que j'ai donné beaucoup de titres un peu ces derniers temps à beaucoup de personnes, j'ai perdu aussi un peu de mon autorité, hein. Ah, trop me décider. Voilà. Bon, on m'apprécie pas tant que ça se voit. C'est le problème d'être... voilà. J'ai moins de troupes, donc ça va être compliqué. Bon, ça va être compliqué et je ne vois pas encore comment je vais pouvoir m'en occuper. Je vais pas le nier. Bah, j'ai pas encore énormément de tout, vous voyez, tout c'est en train de se reconstituer. Mais... ça, j'y peux rien, hein, c'est un peu vieux. Ça c'est un peu aussi tous les histoires. Ouais, et... Or, duc de Toulouse, je sais pas d'ailleurs comment il est retourné sous notre royaume, hein. Soutient, je sais pas qui, c'est qui soutient? Troyen, d'accord. Elle soutient elle, d'accord. Très bien. Soutien qui veut, hein, bon. Alors voilà, donc en tout cas guerre, bah, on se fait torcher. Voilà, faites-vous exploser vos armées pour rien, voilà. Donc c'est elle qui ne dépend pas encore de moi, d'accord. Donc voilà. Bon, on va en tout cas arrêter cette vidéo-là. On reprendra dans la prochaine. Hein. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.